Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Lila. Oui, c'est la toupie et le parasol. Alors écoutez bien. Voici Marine, elle a fait un petit projet, il s'agit de la boussole. Marine dit le maître, ta boussole est très réussie. Omar, lui, il a fait un petit jouet. C'est un mini tabouret. Omar, lui, termine à jouer un mini tabouret. Pour Lila, cette fois, elle a bien réussi à faire un petit bijou de poupée à un chapeau. Bravo Lila. Mais par contre, Léo, il boude. Il n'a pas réussi sa toupie. Alors, qui peut l'aider d'après vous? Bien sûr, c'est Lila, c'est son amie. Alors, mais comment? Écoutez maintenant pour savoir. La toupie et le parasol. J'ai fini, déclare Marine. Il admire sa boussole. Marine dit le maître, ta boussole est très réussie. Omar, lui, termine à jouer un mini tabouret. Lila a fait un bijou de poupée et un chapeau. Et Léo, il boude. Sa toupie est ratée. Il tourne le dos à la classe. Alors Marine pousse Lila du coude. Regarde, Eliou n'arrive pas à finir sa toupie. Je vais l'aider, dit Lila. Elle couvre la toupie d'une couleur dorée, ajoute un clou et un bout de tissu. Mets le tout sur une soucoupe de sable. Eliou, dit le maître, ton parasol est très joli. Eliou sourit et Marine souffle à Lila. Bravo, bravo, bravo. Alors, Lila, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a fait une boussole. Elle a bien réussi. Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a fait un petit jouet. C'est un mini tabouret. Lila a fait un jouet. Elle a fait un bijou de poupée et un chapeau, à vrai dire. Oui, il a fait un bijou de poupée et un chapeau. Mais Léo n'a pas réussi sa toupie. Alors, Marine. Alors, exactement Marine, regardons. Il dit à Lila, hein, Lilo, il n'a pas réussi à faire sa toupie. Je vais l'aider, dit Lila. Il a transformé la toupie au parasol. Voilà, on va vous proposer maintenant des questions. Alors maintenant, partie orale. Les ateliers créatifs. Oral, les ateliers créatifs. Compréhension au débat, voici les questions. Que font les enfants en classe? Pourquoi il y au bout d'il? Que fait Lila pour l'aider? Et toi, as-tu déjà fabriqué un objet? Est-ce que tu peux nous raconter? Compréhension au débat, les ateliers créatifs, c'est l'oral. Je répète encore fois les questions. Écoutez bien les enfants. Que font les enfants en classe? Pourquoi il y au bout d'il? Que fait Lila pour l'aider? As-tu déjà fabriqué un objet? Est-ce que tu peux nous raconter? Je vous laisse bien sûr quelques moments réfléchir. Et après, on va discuter bien sûr sur les réponses. Alors les enfants, est-ce que vous avez bien répondu aux questions? Que font chaque enfant? Alors pour Marine, oui, elle a déjà fait sa boussole. Elle a bien réussi. Marine dit le maître, ta boussole est très réussie. Pour Omar, elle a bien terminé son petit jouet. C'est un mini tabouret. Omar, lui, termine un jouet, un mini tabouret. Alors pour Lila, qu'est-ce qu'elle a fait? Et pour Elio?
Alors, Iliou boude car il n'a pas fait sa toupie. Sa toupie est ratée. Alors, Lila vient pour l'aider. Elle couvre la toupie d'une couleur dorée. Elle ajoute un clou et un bout de tissu, met le tout sur une soucoupe de sable. Et voilà le parasol. Alors, Elio est tout à fait content. Alors, que font les enfants en classe? Les enfants font ce qu'on appelle des petits projets. Pour Marine sera donc la boussole, pour Omar sera donc un mini tabouret, pour Elio, il n'a pas réussi à faire sa toupie, mais malheureusement, Lila vient pour l'aider. Alors, elle transforme sa toupie au parasol. On dit la toupie et le parasol. La toupie et le parasol. Maintenant, la partie de lecture. J'ai fini, déclare Marine. Elle admire sa boussole. Marine, dit le maître, ta boussole est très réussie. Omar, lui, termine à jouer un mini tabouret. Lila a fait un bijou de poupée et un chapeau. Et Elio, il boude. Sa toupie est ratée. Il tourne le dos à la classe. Alors Marine pousse Lila du coude. Regarde, Elio n'arrive pas à finir sa toupie. Je vais l'aider, dit Lila. Elle couvre la toupie d'une couleur dorée, ajoute un clou et un bout de tissu. Mets le tout sur une soucoupe de sable, Elio dit le maître. Ton parasol est très joli. Elio sourit et Marine souffle à Lila. Bravo, bravo, bravo. N'oublie pas qu'au fond, les enfants aussi, Lila a fait un petit projet. Alors, elle a fait un bijou de poupée à un chapeau. Voilà. Vous pouvez répéter plusieurs fois, hein, les enfants. Alors, la prochaine histoire sera dans quoi? Je vais chercher à la ferme. Histoire de Lila à la ferme. La prochaine fois, je vais vous raconter l'histoire de Lila à la ferme. À très bientôt.